Il faudra encore attendre quelques minutes en seconde période pour que Mons resserre définitivement les boulons en défense et creuse petit à petit l'écart. Oui, exactement. C'est pourquoi on a fait quelques ajustements dans les vestiaires à la mi-temps. On savait qu'on ne jouait pas ensemble en défense. On a changé ça pour obtenir la victoire. J'aide à alimenter le marquoir en attaque, c'est surtout en défense que Mons pêche en première période. Des erreurs qui permettent à Louvain de rester collé au score. Défensivement, la force de frappe des Renards n'est plus à démontrer. Ce samedi, c'était Lewis qui mettait le feu aux poudres avec 25 points au compteur. Vous savez, en première mi-temps, j'étais vraiment bien. Puis en deuxième mi-temps, c'était Foster puis Hatton. On essaye de jouer ensemble et peu importe qui est chaud, on essaye de lui passer le ballon. Et c'est bien là la force de Monsenno cette saison. Si c'est pas Lewis, c'est Taylor. Si c'est pas Taylor, c'est Foster. Qui se charge ici d'ailleurs d'assurer le spectacle dans le dernier quart pour sceller définitivement la victoire de Mons à 98-83.